Celui-là est trop bon. Et mon petit chouchou aussi l'hiver quand on est un peu malade, c'est celui à la vanille. Très sympa. Ouais. Classique mais qui fait son effet. Un petit peu de miel, ça le soir, nickel. Non mais avec le lait, j'aurais pas pensé. Ouais, mais ceux qui aiment le lait, ils sont très chocolatés. Je dis, si vous avez des enfants, bah, faites-leur avec du lait. Ça donnera ce petit goût et au moins c'est pareil, c'est pas gavé de tout plein de trucs comme ça. Alors, après on finit par le dernier qui est des gommes. Tenez, goûtez de ma belle faite avec du thé, forcément. Lequel alors? Un thé très fort. Un thé très très fort. Pas trop fort. Ah, bah, je vous fais sentir. Allez, c'est un thé noir fumé. Oula, je l'ai senti, j'avais pas aimé. Voilà, c'est les madeleines. Ah si, non, elle quand même. Ah oui, c'est si. Mais j'ai mis que ça dedans. Il n'y a pas de levure, enfin non, c'est farine, œuf, sucre et beurre. Oui. Bon, elles sont pas très diététiques, je vous le reconnais, mais il y a beaucoup de beurre quand même. Et donc le dernier, qui alors lui pareil, c'est chouchou quand on est dans le sud et qu'il fait très chaud, le thé à la menthe. Donc excellent au chaud. Il y a plein de recettes de cuisine sur ça, je vous disais, à faire aussi en froid avec du fromage blanc, chose comme ça. C'est pour ça qu'en fait on peut faire une petite escale glacée à une demi-heure. Ouais, alors par contre moi je vous le dis, là je ne l'ai pas fait, j'ai une soda stream à la maison. Ouais. Je le fais infuser dans ma soda avec mon. Comment dire, je pchite ma soda stream, je prends un fichet comme ça et je mets mon thé dedans, comme ça ça me fait une eau pétillante à la menthe. Sans surprise. J'en ai goûté un que j'aime beaucoup aussi, c'est menthe pétale de rose. Et en glacé, j'aime.